Bonjour tout le monde, ici le Caribou Canadien qui vous parle. J'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien. Oh yeah, allez, on continue l'aventure du jeu Summer in Mara, live, la chaîne du Caribou Canadien. Oh yeah! Il n'est plus là. À l'autre côté. Ozo, comment vas-tu? Je vais documenter un nouveau point de vue sur un oiseau. Qu'est-ce que cela signifie? D'après mon journal, les mouettes sont des créatures plutôt tristes. Mais quand je les observe, je vois des animaux superbes. Elle brille quand le soleil les éclaire et elle rit à longueur de journée. Du coup, j'ai écrit ma façon de voir les choses. Plus les perspectives sont nombreuses, mieux c'est. As-tu besoin de quelque chose? Qu'est-ce que tu manges? Tu veux parler de ces graines? Ce sont des graines de tournesol. Ouais, est-ce qu'un tournesol poussera si je les plante? Oui, mais d'après mon journal, ce ne sont pas de belles fleurs. Est-ce que tu veux quand même? Oui, comme ça, nous aurons de nouveaux points de vue pour ton journal. D'accord, prends-les. Mais rapporte-moi une tournesol en échange. Va livrer ce que je t'ai donné, petite aventurière. Ces crabes postaux là, je pense qu'il y en a un là dans un ballon. Salut, je m'appelle Koa. Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose? Bonjour, moi c'est Bram. Oui. Tu vas bien? C'est que je crois que j'ai fait une gaffe. Avec quoi? Mon oncle va bientôt ouvrir son établissement et il nous faut des provisions. J'ai donc passé une commande de maïs au marché, mais on ne m'a pas livré des graines de maïs. Une catastrophe. Le maïs vient de... Des graines de maïs? Je ne vois pas où est le problème. C'est que je n'ai nulle part où les planter. Tu me les donnes, je t'apporterai le maïs. Ouais, vraiment? Évidemment. Ce serait formidable. Mon oncle Taka est très gentil, mais il est strict. Je ne sais pas comment on réagirait. Merci beaucoup. De rien. Un crabe. Je vais m'occuper de ces gars. Oh, il y a un crabe là-bas. Je vais m'occuper de ces graines-là, je peux trouver ce qu'est le jardin. Thank you.
peux l'utiliser ici. Comme si je trouve mon propre endroit. Il m'a donné des graines de coton aussi, j'ai pas vu. C'est très fin. Hein. J'ai vu qu'il y avait une map. On voit pas nécessairement des endroits avec du jardin. Là, je l'ai déjà fait, je pense. Et j'ai déjà fait aussi. La crainte, c'est juste. Je
facilement fait le tour de l'île, là, puis pas le reste des crabes. Là, peut-être, c'est lui, je crois pas. Il en manque pas juste un, il en manque deux, c'est ça le problème. Je veux dire que ça ne peut-être pas nécessairement direct sur le... sur la rive. Qu'a-t-il? Pain? Ah, c'est ça. Je pourrais te préparer un jus ou quelque chose de ce genre. C'est bon pour la santé. T'as déjà bu du jus? C'est vraiment bon. Avant, je détestais ça, mais maintenant, j'en raffole. Je prépare un jus. Où? L'endroit où j'ai vu ça. Enfin, quelqu'un qui stream. Ou... Hey, t'es chez Caribou, prends ta chaise, puis regarde-moi! C'est de trouver. Ellie Flyboy, bienvenue à la tribu du Caribou canadien, mon ami, ça fait super plaisir de t'en faire là. Oh yeah! Je suis en train de me trouver un endroit pour faire un jardin d'être là. T'as faim, toi, là. Ça fait que 2 jours que je joue, j'ai commencé hier. C'est une île, là. Je sais même pas si on doit retourner à la maison pour créer des nouvelles choses ou...
Je sais pas où est mon bateau. On peut-tu retourner sur notre île? Je pense que oui, hein. C'est mon bateau, ça. Peux-tu y retourner? Ah, oh, je peux retourner à la maison. Dormir sur le bateau aussi. Et puis depuis. Toujours là, mon Eliflame Bory.
Salut Mark Landers. On va aller se reposer. J'avais pas dû prendre l'engrais. On peut avec l'eau. Une yaya? Oh zut, quel dommage. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider quoi qu'il arrive. Tiens le jus. Thank you.
Salut, je t'ai apporté le maïs. Merci beaucoup. Au fait, je voulais te demander, est-ce que tu connais la dame qui vit au phare? Je dois lui parler. Ah, cette dame-là? Eh bien, je l'ai déjà vue. Sur la plage, je crois, elle ramassait des coquillages près du phare. Pourquoi qu'elle était triste? Peut-être que tu lui ferais plaisir de lui apporter un beau coquillage. C'est une bonne idée. Reviens-moi quand mon oncle aura rouvert son établissement. Ah, on a encore beaucoup de choses à faire. Bonne chance. Bon, on va amener des coquillages à la vieille dame pour voir ce que ça va donner. Tout ça bien, et tous les gens et tout ça bien. Fermé, ouvrir non 9 et 15 heures.
pas de crabe. Touloutou.
Oh, les puces remplissent enfin.
Il m'a fait perdre de l'argent, il va s'implanter là. Oh, j'aurais dû... J'aurais dû faire de la corde, j'ai oublié, zut. Donner les graines d'un seul à l'autre, au moins. J'adore les graines de tournesol. Voilà, je trouve rien à propos des citrouilles dans mon journal. Je ne sais rien à leur sujet. Je sais même pas à quoi elles ressemblent. Mais j'en ai des graines. Parfait, je vais pouvoir en faire pousser. D'accord. Je vais parler de nouveau. Hein. Non, j'ai du fil, on va voir ce que ça va donner. Et en fois deux, ok. Ah, ma quoi, tu penses? J'ai besoin d'ingrédients. Les dames du marché sont effrayantes. Ok, bon, je ne trouve pas spécialement. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose? Tu ferais ça pour moi? Évidemment, t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il te faut? J'ai besoin d'oignons, de patates et de pierres. Je pense créer un nouveau ragoût. Je voudrais surprendre mon oncle. Je m'en charge. Pour deux oignons. Thank you.
Voilà, je ne trouverai pas de meilleur fil ailleurs sur l'île. On s'entend bien, petit. Tu es maintenant prêt pour la grande révélation. Je vous écoute. La femme que tu recherches se trouve au phare. Elle est... Je l'ai déjà dit. Bien, c'est tout. Pas de plus. Non, c'est tout. Ça ne suffit pas, mais... Prends ça pour le dérangement. Merci, Léa. Qui traites-tu, Léa? Caleb n'est pas vieux. Un Quido qui date d'expérience. C'est ce que je fais maintenant. Tu peux interroger les habitants du village au sujet de la dame au phare.
sauras peut-être comment lui ouvrir la porte. Oh, vraiment plus les coquillages. Bon, allons la voir. Le sucre, il fallait qu'il l'achète, là. S'il arrêtait là, j'aurais pu lui dire. Je vais lui écrire, je pense. Je lui écrirai après. Bonjour, pardon de vous déranger. Laisse-moi tranquille, petite. Que les vents de Mara vous soient favorables. Et qu'as-tu dit? Que les vents de Mara vous soient favorables. Qui t'a appris ça? Personne? Ce n'est pas beau de mentir, petite. Bon, d'accord. C'est le monsieur de la banque. D'ailleurs, il n'est pas très gentil. Non, il ne l'est pas. Qui es-tu? On peut parler. Enfin, pourrais-je m'entretenir avec vous? Pourquoi? J'ai un roman qui pourrait vous intéresser. Et ce roman d'aventure, j'ai aussi des coquillages. Ils ont intérêt à être jolis. Ce sont les plus beaux de l'île. Eh bien, tu peux entrer, mais je t'achèterai rien. Les coquillages sont très beaux, petite. Oui, madame. Je les ai trouvés sur la plage. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, il y a une petite lettre dans ma maison. Le nom est Semi. Était écrit dessus. Ah, vraiment? Voilà qui est intéressant. Est-elle à toi? De toi? C'est ma grand-mère. Je ne connais pas ta grand-mère. Ma grand-mère s'appelle Yaya Aku. Aku? Mais... impossible. Bien sûr que si. Mais... tu ne peux pas être la petite fille de Aku. Et si je suis? Regarde, on a les mêmes yeux. Voyons cette lettre. C'est l'écriture de Aku. Évidemment. Regarde mes yeux. Oui, je me souviens de ses yeux. Je me souviens aussi que c'était la personne la plus forte du monde. Et qu'elle n'aimait pas beaucoup rire. Mais... vous ne croyez pas? Sans passer tes manières. Pardon, puis-je te faire confiance? Bien sûr. Tout d'abord, tu dois me prouver. Tu es bien la petite fille de Kaku. Elle portait toujours une espèce de fleur particulière qui ne pousse que sur son île. Si tu as vécu avec elle, tu devrais forcément la trouver. Tu aurais peut-être besoin d'une nouvelle binette. Demande à Caleb de t'aider. Il y a un petit potager au port. Apporte-moi cette fleur. À votre service, madame. Donc, c'était tout pour l'aventure de Summer in Mara, live sur la chaîne Caribou Canadien. Oh, yeah!